petit partage du soir. Waouh! Je viens de faire une méditation Kundalini avec Sophia, méditation de Osho. Et c'est le moment de poser des choses. Alors, tandis que les participantes écrivent dans leur petit carnet, moi j'avais envie de partager avec vous, pas vraiment sur le chakra racine, mais ce qui m'est venu ici, c'est que parfois, on veut perfectionner sa boîte à outils. On a soif de connaissances, encore et encore. Et puis, c'est pas toujours utile. C'est parfois une fuite. Je vous explique tout simplement. Imaginez que dans votre boîte à outils, vous avez deux marteaux. D'abord, vous en avez un que vous avez utilisé depuis très longtemps. Il est toujours aussi efficace. Vous le maîtrisez super bien. Et puis, on vous propose un nouveau marteau. Un marteau plus solide, soi-disant, par le manche, parce qu'il est fait dans un bois plus précieux. Et même le métal est plus performant, peu importe, j'invente. Et on vous a dit que ce nouveau marteau était un outil essentiel dans votre boîte à outils. Alors, vous aurez peut-être tendance à mettre de côté l'ancien. Et pourtant, avec l'ancien, vous étiez tout aussi efficace, et même plus. Alors, moi j'avais envie de partager avec vous. Ne vous éparpillez pas dans cette recherche à l'outil extraordinaire qui viendra vous libérer, qui viendra vous rendre plus efficace, plus performant. Décidez, choisissez, en fonction de vos ressentis. Et être libre, c'est aussi, parfois, garder les mêmes outils toute une vie. Voilà, c'était ma petite réflexion du soir, bien sûr, à discuter. Je vous embrasse et je vous souhaite déjà une très belle soirée. Merci de m'avoir écoutée.